This old house has a porch and it wraps around. This old house has a porch and it wraps around. Like my love for you. Like my love for you. Like my yard has a well and it goes down deep. The soul yard has that old well, it's been dug down deep. Like my première prise en Alaska, à Anchorage, avec ma guitare, donc c'est assez émouvant. J'ai fait pas mal d'endroits depuis un an, et là, ça y est, j'y suis, c'est ma première, donc émotion particulière. Voilà. Mais ça va monter crescendo, hein, de toute façon. Voilà. Bye. Voilà, je voulais vous montrer donc la carte, puisque maintenant, Mike, on s'en va. Enfin, ça y est. Enfin, c'est le moment. Salut mec. Salut. Alors Mike, où on va là? Là on est à Ely, on va direction Claire, Nenana, Esther et Fairbanks. Cool. Avec de la bonne musique. Merci Dorian. Yeah. Oh, him and man. Ça va, ça avance la lecture? Ouais, ça va, on s'est fait. Hein, pendant que certains conduisent, ah, ça va, la vie est dure? Je l'ai toujours dit, il y a deux types de personnes dans la vie. Ouais, ouais. Tu vas pas continuer, hein, ok? Sinon, tu vas faire du stop. Hein, à ce qui paraît, ça marche bien ici. Bon, allez. Regardez comme il est cool avec son fils. On vient d'arriver à Fairbanks. Fairbanks City. Donc là, nous revoilà dans la ville où Christopher est passé. Pleine nature sur les traces de Super Tramp, être un homme qui se bat sans armure et ne renonce à sa chance. Et voilà, alors, on a quitté Fairbanks et on a pris direction le cercle polaire. Le cercle polaire, on a fini cette route là. Tiens mon gars. Ouais, elle est belle. Arctic Circle. Vas-y, montre-moi sur la carte là un peu. Voilà. On est là. On est là. Vu comme ça, ça fait bien. Oh.
au sommet du monde. On est, voilà. Michael a laissé son petit mot. Et moi, j'ai fait un petit dessin. Voilà. On aura laissé notre empreinte. Réserve d'ours. Voilà. On y est. Donc là, on est, on va dire, à 50 km de la piste Stampede, où Christopher a quitté la civilisation, on va dire, et où il est rentré en pleine nature. On a dépassé le Denali Park, et là, on va visiter Ely. Et voilà. On a demandé, on peut aller le visiter. Une photo de Chris. Souas. Ça c'est quand il décide de chercher du gibier et qu'il laisse ce message au cas où s'il y a des chasseurs dans le coin. C'est fou parce que là tu te dis que dans ce bus il y a Emily Hirsch qui a joué, toute l'équipe de Champagne. Putain, là, c'est super bien. Émouvant quoi. Ça c'est avec quoi ben, il pouvait manger. 2 ans à parcourir le globe, pas de téléphone. Ça c'est un des moments du film quand il raconte. Waouh. Il fait plus spacieux celui-là. Les cartes postales. Le 27 avril. Les dernières nouvelles qui donnent à Wayne. Stampede Road. Come on, run away. You'll never be safe. But you'll never be saved here. No matter how long you stay. Find a way to keep you in this town. Blood ain't that strong. Not when you're losing ground. You can't run if you don't put your foot down. Et voilà, vous pouvez voir la fin de la route Stampede. À ces hommes d'aventure qu'on peut laisser pour être libres. Se sont-ils perdus en cours de route? Ont-ils eu tort de vouloir vivre? Society, your crazy breed. Hope you're not lonely. C'est bizarre parce qu'on m'avait prévenu de ça et on m'avait dit ça va t'arriver. Et là je le ressens, c'est vraiment palpable. Voilà, j'ai des images de mes parents, de ma mère, de mon père, de ma soeur, de mes amis proches, de toute ma famille. Et c'est très émouvant en fait. Je pense beaucoup à eux et je pense
surtout à la vie que j'ai envie d'avoir à présent à mon retour, et essayer d'être le plus respectueux possible demain. Voilà, c'est ma dernière émotion avant de dormir ce soir et de partir demain. Pour toi, Michael, parce que je suis pas tout seul à parler. Moi, tu sais que pour l'émotion, j'ai un peu du mal, mais moi, j'ai tout simplement hâte d'y être demain et enfin finaliser. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai vu les vidéos du bus sur internet des millions de fois et j'ai envie vraiment d'y être parce que j'ai besoin de ça. Et je remercie Alain pour m'avoir fait partager son happiness world, justement. Et quoi dire d'autre, moi c'est pareil, là j'ai eu qu'une envie, c'est appeler mes parents, donc je les ai appelés ce soir parce qu'ils m'ont beaucoup manqué. Et c'est quelque chose qui n'arrive jamais, pas qu'ils ne manquent pas, mais généralement je me dis je vais les revoir et tout va bien. Et là, je suis tout simplement heureux d'être là et j'attends la surprise d'Alain pour dormir. Voilà. Merci encore à tous et c'est magique, quoi. Il y a à peu près une demi-heure. Et on est en train de se préparer parce que c'est le premier jour où on va aller au module. Voilà, il y a des personnes qui viennent du quatre coins du monde et c'est on ça. A lu un mot des parents de Christopher qui sont inscrits sur la Bible qui est dans le bus, qui a été laissé. Et le carnet, donc celui-ci, quand on ouvre, ben, il y a plein de mots donc de tous les passages. Je pense qu'on va prendre le temps tranquillement et puis on écrira un mot à la fin de notre voyage. Pour que le ressenti soit au maximum. Profite. Thank you.
jour est là, je dors encore debout. Face à ma vodka, j'ai la gueule des mauvais jours. Je n'ai pas envie d'aller voir dehors. Je n'aime pas ce qu'il s'y passe. Je préfère dormir encore. Je pense à ces hommes d'aventure qui ont tout laissé pour être libres. Se sont-ils perdus en cours de route? Ont-ils eu tort de vouloir vivre? J'ai des envies de voyage, m'échapper de ceux que j'aime, qui m'ont tant de fois coûté des larmes à construire ma bohème. Je ne sais pas si tout s'oublie et si l'on change aussi. Que nous serons tous ensemble au dernier feu, malgré nos différences, devant l'autel des adieux. Moi qui n'aime pas tellement cette époque à laquelle nous vivons, chacun contemple et troque. J'aimerais vivre en pleine nature, suivre les traces de super trempe, être un homme qui se bat sans armure et ne renonce à sa chance. Parce que ça me fait mal au cœur de repenser à ma vie, les souvenirs et les erreurs, et ce que je n'oserais pas dire. Je ne voudrais plus de cette amertume qui me traîne depuis toujours. Faudra bien du courage pour arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas si tout s'oublie et si l'on change aussi. Puisque nous serons tous ensemble au dernier feu, malgré nos différences, devant l'autel des adieux. Et là, que savons-nous de nous? Que disons-nous des autres? Irons-nous mieux sans doute? Et voilà. Ouf, j'ai écrit un peu plus que prévu. Voilà, c'est ici que le projet Happiness Road se termine, au Magic Bus. Je vais repartir donc maintenant en France. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce projet, qui m'ont aidé. Je pense en premier à ma famille, Gilles et Valérie, qui ont été là dès le départ, c'est-à-dire... C'est des personnes qui m'ont beaucoup conseillé et qui m'ont permis de croire en ce projet et en ce que je voulais essayer de faire. Donc je les remercie beaucoup. Et puis Cédric qui m'aide énormément pour les montages, il faut le dire. Clémentine Coulon, ma petite Clem, Bleu Clémentine, l'agence. Merci pour tout le travail que tu as fait pour moi, parce que ce n'était pas gagné. J'ai le caractère assez difficile.
Céline de Créateur d'ailleurs qui m'a beaucoup facilité la tâche. Céline, merci parce que franchement, t'es au top. Tu le sais très bien, on a beaucoup parlé toi et moi. Et puis toutes les personnes qui m'ont aidé sur la route. Alors Cédric qui a été là pour Marseille et Rome. Mais je pense aussi à Paris avec Mark Weld et Blanche. Je pense aussi à Londres, Mélanie et Clémentine, ma pote. Mais aussi à Montréal avec Dorian qui m'a beaucoup aidé. À New York, Fabio, et en Alaska, avec ce vieux tronc d'arbre derrière la caméra. Merci Michael, parce que fallait vraiment le faire et de venir avec moi et de partager cette aventure ici avec toi toute une nuit. C'est, voilà, tu sais que toi et moi maintenant on est liés à jamais quoi. Je pouvais pas finir cette vidéo de remerciement sans dire merci à une personne que j'ai rencontrée sur ma route qui s'appelle Matep. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens autour de lui, que ce soit AJ, Damien, le petit Damien, Lisa, Joël, mais aussi Sabina, Abby, Philippa et toutes les personnes qui ont pu l'entourer. J'ai fait des rencontres magnifiques pendant plus d'un an. Ce voyage a changé beaucoup ma vie. Donc merci à tout le monde, je vous aime énormément. Et j'aimerais dédier ce voyage à Fifouille. C'est la personne qui m'a permis de réaliser tout ça. C'est la personne avec qui j'ai commencé à croire en la possibilité de pouvoir faire de la musique un jour dans ma vie. Et c'est ça qui a donné naissance à ce projet, qui m'a permis de réaliser mon rêve. Alors, même si je sais que tu n'aimeras pas ce que je dis, merci parce que je le fais pour toi aussi. Tu as cru en moi et ça m'a permis de croire en moi un minimum. Et aujourd'hui, je suis là. Et je suis là aussi grâce à Christopher. Et je donne un gros message à toute la famille McCandless. Et à toi, Christopher. Repose en paix. Et happiness world. J'avançais sur le chemin vers un bonheur incertain. Ce vent sur la plaine, loin de ma ville américaine, tout ce qui fut mon fardeau, j'embarque vers un monde nouveau. Si le bonheur et d'exister, si mon rêve
j'avance d'un pas certain vers la liberté loin des miens. Silence sur la plaine, laisser les entraves, les chaînes, sans jamais se retourner, dire adieu à la société. Si le bonheur reste vain, je trouverai peut-être enfin au Magibus qui m'attendait la force d'y croire et d'exister. Si mon rêve le plus fou se retrouvait à genoux devant la nature infinie qui fait prisonnière ma vie. Les vents se déchaînent, moitié loup, moitié cheyenne. Je m'accroche et je combats mes regrets, mes émois. Par le froid, je voudrais rentrer chez moi.